Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, verset 15. Yatra dharma suto raja kadapa nirvikrotara krishnostri gandivam chapam surit krishnastato vipat. Traduction. Comme il est étrange que le malheur arrive même là où se trouve le roi Yudhishthir, qui est le fils de Dharma, Bhima, qui est armé d'une masse, Arjuna, qui brandit l'arc Gandiva, et par-dessus tout, le Seigneur qui est l'ami et le bienfaiteur des Pandavas. Commentaire. Selon Srila Vaishvanath Chakravarti Thakur, le Seigneur Kapila dit dans le Srimad Bhagavatam 3.25.38. Nakar hichinmat parashantarupe nakshantinome nimisho ledit heti yesham ahampri yahatma shutascha sakha guru siurido daivamishtam. Les dévots pour lesquels je suis l'unique objet d'amour me considèrent comme leur fils, leur amant, leur précepteur, leur ami, leur parent et la déité de leur âme. En réciproquant avec leurs sentiments spirituels respectifs, je me rends moi-même présent en eux et mon arme, sous la forme du temps, ne les dévore jamais. Srila Vaishvanath Chakravarti Thakur cite Bhishma. Comment alors le temps pourrait-il attaquer les Pandavas qui étaient emplis de purs sentiments spirituels envers le Seigneur Krishna sous la forme de Dasya, de la servitude, de Sakya, de l'amitié et de Vatsalya, de l'affection parentale? Ceci est des plus étonnants. Il semblerait que sans cause, due aux relations d'actes passés, le temps ait produit des effets dont nous ne pouvons détruire la cause, mais qui sont semblables à des réactions d'actes matériels. Le mot Krishna signifie « Arjuna avec son arc, astri ». Malgré la puissance de leurs actes de piété, de leur corps, de leur talent, de leur connaissance des Écritures, de leur richesse, de leurs amis tels que le Seigneur, ils rencontrèrent tant de difficultés. Om Agyana Timinandasya Gyananjara Shrakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha kanta namostute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshvari vrishabhanu sute devi pranamami hari priye vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyah eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutade, Shimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatyade Shatadine. Donc c'est intéressant. Comme il est étrange que le malheur arrive même là où se trouve le roi Yudhishthir, ainsi que tous les autres. Il faut comprendre que les divertissements de Krishna, lorsqu'ils se manifestent dans le monde matériel, ils se manifestent avec en arrière-plan les, on pourrait dire, avec en arrière-plan le monde matériel. C'est pourquoi aussi ces choses sont exprimées de cette manière-là. Parce que comme le temps, par exemple, on comprend que dans le monde spirituel n'est pas influencé par le temps. Comme par exemple, c'est pourquoi c'est expliqué dans le Bhagavatam, je crois que c'est dans le Brahmara Gita, c'est les chapitres du 10e chant du Bhagavatam qui expliquent la danse rasa, non? C'est expliqué que lorsque les gopis, elles accomplissaient la danse rasa avec Krishna, c'était aussi long qu'une nuit de Brahma. C'est long, une nuit de Brahma. C'est vraiment long. Une nuit de Brahma équivaut 1000 cycles de yoga. Donc, faudrait calculer, mais ça fait des milliards d'années. Donc, une nuit, la danse rasa, elle a duré une nuit de Brahma. C'est vraiment long. Parce que il n'y a pas de temps dans le monde spirituel. Comme par exemple, tout est focalisé sur l'union et la séparation de Radha et Krishna. Et donc parfois la séparation peut être longue aussi, comme parfois l'union peut être longue, non? Donc ce qui est intéressant dans ça, c'est que comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règles, on pourrait dire, qui définissent le monde transcendantal. C'est pourquoi on ne peut pas le concevoir avec des sens matériels. Parce qu'il n'y a aucune règle qui gouverne cette... C'est la pleine liberté, non? C'est la pleine expression. C'est la pleine conscience. Donc c'est pourquoi dans cette réalité de Vraj, il n'y a absolument aucune règle stricte ou aucune limite dans, on pourrait dire, l'expression des divertissements de Vrindavan. Donc c'est pourquoi, comme par exemple, quand Radha et Krishna sont ensemble, on comprend que, comme par exemple, dans le Mangalarti, à tous les matins, on réveille le couple divin, non? Et donc à tous les matins, Radha et Krishna doivent se réveiller. Et c'est expliqué que Radharani, elle maudit le coq parce qu'il réveille leur doux sommeil, non? Et aussi, elle le maudit parce que le son du coq ou le chant du coq, ça veut dire que Radharani devra se séparer de Krishna, non? À tous les matins, donc, le coq, à tous les matins, Radharani, elle maudit le coq. Donc, elle a un sentiment particulier envers le coq, elle le maudit. À tous les matins, il se fait maudire par Radharani. Et donc, comme justement Radharani, elle ne souhaite pas se réveiller, c'est expliqué que même elle garde les yeux fermés parce que les assistantes de Radharani, elles viennent pour les réveiller. Et parfois, Radharani, elle se ferme les yeux, elle se blottit contre Krishna parce qu'elle ne veut pas se réveiller. Elle ne veut pas quitter l'étreinte de Krishna. Non? Et donc, parfois, la yoga maya ou la lila shakti, non? L'énergie des divertissements de Krishna, comme elle voit le sentiment de Radharani, où elle ne veut pas du tout quitter la compagnie de Krishna. Parfois, elle fait des arrangements aussi pour que la nuit s'étire. Non? Donc, c'est le même principe aussi avec le Rasalila. C'est que pour que justement, Krishna, Radharani et les gopis puissent se divertir dans cette douce nuit, non, du Rasalila, le supposé temps s'étire pour que Radha et Krishna puissent être le plus longtemps ensemble. Donc, c'est la même chose aussi parfois. Ce qui pourrait durer quelques heures peut se manifester comme des centaines d'heures aussi. C'est ce qui est spécial à Vraj, il n'y a pas de limite. Donc, ils peuvent être dans une rencontre très lente et très, on pourrait dire, qui dure très longtemps, comme ils pourraient être aussi dans une séparation qui dure très longtemps.
Comme ça pourrait être très court aussi, non? À la fois, ça peut être court, comme à la fois, ça peut être très long aussi. Parce qu'il n'y a pas de règle stricte, il n'y a pas de temps ouvrage. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est la même chose aussi avec les pandavas. Ce que je regarde, en fait, de ce verset, ça me fait méditer sur la réalisation que j'avais eue dimanche passé. Parce qu'on voit, en fait, ces associés, même s'ils sont dans les difficultés les plus grandes, ils ne perdent jamais leur relation avec Krishna, non? C'est leur Seigneur adorable. Parce que leur réalité, elle est basée sur leur relation avec Krishna. Pas sur le temps, pas sur les malheurs, non, pas sur la séparation. Tout est basé sur leur relation avec Krishna. Et donc, pour eux, justement, on comprend que la séparation, Vipraramba Bhav, pour les résidents de Vraj, comme tous les associés de Krishna, la séparation, c'est quelque chose de spécial parce que dans l'union, il y a la séparation. Dans la difficulté, il y a la présence de Krishna. Parce que Krishna, il est comme un héros. Il aime sauver ses dévots. Et c'est pourquoi, en fait, ses associés, ils apprécient beaucoup les malheurs. Comme on se rappelait, non, dans le 8e chapitre, que la reine Kunti, elle priait Krishna de recevoir encore plus de calamités. Non. Parce que dans ces calamités, Krishna vient comme le héros sauver ses dévots. Et quand il vient les sauver, il manifeste toute sa présence. Non. Donc c'est pourquoi, en réalité, il cherche ces expériences, on pourrait dire, de séparation avec Krishna. Parce que Krishna vient les sauver et à nouveau, il présente sa douce compagnie. On voit ça dans le Madhurya Kadambini. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est que 44 pages, hein, mais c'est un très beau texte. Et ça décrit non, toutes les étapes du chemin de la pure jusqu'à la pure dévotion. Et à la fin, dans le dernier chapitre, Vishwanath Chakravarti Thakur, il décrit l'expérience de Prema. L'expérience qu'un pur dévot il a de Prema. Et c'est vraiment spécial. Dans l'expérience de Prema, c'est expliqué que, premièrement, Krishna il apparaît dans un de ses sens, non? Il peut se manifester à travers, on pourrait dire, le parfum, la fragrance, le parfum de son corps. Non? Et donc, le dévot, il va sentir le parfum du corps de Krishna. Et il va être complètement absorbé dans ce parfum. Et à un moment donné, tous ses sens vont prendre la fonction de l'odorat et vont sentir le parfum du corps de Krishna pour que le dévot puisse avoir l'expérience complète. Parce qu'on comprend que, comme Krishna et ses dévots dans le monde transcendantal, leur corps, toutes les fonctions de leurs organes sensoriels peuvent prendre les fonctions des autres organes. Et donc, pour que le dévot puisse avoir la pleine expérience du parfum de Krishna, tous les sens vont s'engager dans le même but de sentir le corps de Krishna. Donc, les yeux vont sentir la peau, l'écoute, donc c'est spécial, non? Et donc, un après l'autre, le dévot va faire l'expérience et à un moment donné, il va tellement être absorbé dans l'expérience de Prema qu'il va perdre connaissance. Et Krishna, comme il voit que son dévot il a perdu connaissance, il va le réveiller à nouveau avec une autre facette de sa personne, non? Par exemple, avec le son de sa flûte. Et donc, il va le reprendre, il va le réveiller à nouveau avec le son de sa flûte. Il va lui donner l'expérience du son de sa flûte à travers tous les sens de son corps. Donc, c'est tellement spécial l'expérience de Prema, comme le décrit Vishwanath Chakravarti Thakur. Et donc il explique à nouveau, le dévot, il perd connaissance. Krishna le réveille à nouveau. Et donc, il le met dans la rencontre et la séparation comme ça. Non? Donc, c'est pourquoi l'expérience de ces dévots, on ne peut pas concevoir à quel point c'est profond. Donc, que ce soit le plus intense malheur ou le plus extrême bonheur, c'est toujours dans une grande extase spirituelle. Non? Donc, c'est pourquoi on ne peut pas concevoir. Je me rappelle, quelqu'un me disait ça dernièrement. Il me disait, comment... Il me disait, je ne voudrais pas être dans la séparation de Krishna. Il m'exprimait ça que pour lui, ce serait quelque chose de douloureux. Et je lui expliquais qu'en réalité, la séparation matérielle, elle est douloureuse. Parce que ce n'est pas une séparation qui est spirituelle. Parce que dans la séparation matérielle, il n'y a pas l'union. Il n'y a pas la rencontre. Il y a peut-être le souvenir, mais ce souvenir engendre tout simplement plus de souffrance. Tandis que dans la séparation spirituelle, lorsqu'on est séparé de Krishna, il y a encore plus de rencontres avec Krishna. Donc, c'est ce qui fait que la séparation, elle est quelque chose de vraiment spécial pour les dévots de Krishna. Non? Et donc, ce verset, ça me faisait rappeler à une réalisation que j'avais eue dimanche passé. Je me disais, on faisait kirtan, j'étais assis, et je me disais, j'avais cette réalisation. Je me disais, si à l'instant même, ma vraie personne, ce que je suis réellement dans le monde transcendantal, à Vrindavan, si ma personne,
originelle, qu'est-ce qu'elle ferait si elle serait réveillée en ce moment? Si je pouvais voir avec mes vrais yeux, qu'est-ce que je verrais? Non? Si je pourrais entendre avec mes vraies oreilles, elles ne sont peut-être pas aussi grosses, mes oreilles, qu'est-ce que je pourrais entendre? Non? Si je pouvais sentir avec mon vrai nez, qu'est-ce que je pourrais sentir? Non? Si je pourrais sentir avec mon vrai cœur, si je pourrais vivre l'amour avec mon vrai cœur, qu'est-ce que je pourrais vivre comme amour, non? Et je me suis dit, waouh, c'est tellement spécial comme méditation. Je me suis dit, j'espère maintenir ça constamment. Ça veut dire qu'à chaque instant, à chaque seconde, on pourrait se mettre dans cette disposition où, OK, si ma vraie personne est éveillée, quelle serait son expérience dans cet instant présent? Quand elle marche, quand elle regarde les arbres, non? Quand elle fait un service particulier, quand elle interagit avec les autres, non? Et pour moi, je trouvais que c'était tellement une belle méditation qu'on devrait essayer de maintenir le plus souvent possible parce que, en réalité, c'est ça l'expérience de la dévotion. On cherche à éveiller nos sens spirituels et à faire la pleine expérience de Krishna à travers nos sens, non? Donc, c'est quelque chose de spécial parce que, dans cette méditation, il y a quelque chose de très précieux aussi, parce que cette méditation, c'est ce que... Je ne me rappelle plus qui expliquait ça, si c'était Shila... Oui, il me semble que c'était Shila Prabhupada. Donc, il expliquait que, en réalité, au début, on imite. On imite le service de dévotion, non? On pratique, on appelle ça la sadhana bhakti. On pratique la dévotion. Comme on la pratique, ce n'est pas la pleine expérience, on la pratique. C'est comme quelqu'un qui essaie de jouer du violon pour la première fois. Ce n'est pas que lorsqu'il va commencer, les plus belles notes vont se manifester, non? Comme j'avais déjà partagé l'histoire, j'avais essayé de faire partie d'un concours pour faire le spectacle de fin d'année de mon école. Et donc, je croyais jouer de l'harmonica. Et donc, j'ai approché, je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire, mais donc, j'ai fait l'audition. Et donc, je croyais jouer de l'harmonica. Et donc, je suis arrivé. Et donc, les personnes qui choisissaient, qui allaient être pris dans le spectacle, ils m'ont dit, « Bon, qu'est-ce que tu vas faire? » Je leur ai dit, « Je vais vous jouer de l'harmonica. » Donc, ils m'ont dit, « Est-ce que tu as une musique ou une chanson en particulier? » Je dis, « Non, 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 je vais juste jouer comme ça. » Et donc, j'ai commencé à jouer un peu n'importe comment. Au bout de 2 minutes, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, « OK, non, ça va aller. Je pense qu'on ne te prendra pas dans le spectacle. » Donc, c'est ça la pratique de la dévotion. Ce n'est pas parce qu'on commence qu'il y a la pleine expérience ou la pleine expression de la dévotion. Mais le plus on pratique, le plus ça devient une réalité. Et donc, Prabhupada, il expliquait ça, c'est qu'au début, on imite, mais le plus on imite et le plus ça devient une réalité aussi dans notre vie. Non? Donc, c'est pourquoi, pour moi, cette méditation, elle était très belle, parce que le plus on médite là-dessus, le plus ça se manifeste, le plus ça deviendra une expérience aussi dans notre vie. Non? Parce que tout vient à partir du désir, tout vient à partir de l'absorption. Le plus on s'absorbe dans Krishna, le plus Krishna va réciproquer avec ça aussi. Non? Donc, c'est ça qui est spécial. Donc, comme j'aime tant parler de Vrindavan, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une forêt très spéciale. Et oui, il y a une forêt qui s'appelle Radhavan, la forêt de Radha. Et c'est même expliqué par nos acharyas que cette forêt, elle est tellement chère au cœur de Radha qu'elle est aussi chère pour elle que Radhakun aussi. Donc, comme cette forêt est aussi chère à Radharani que Radhakun, aussi, elle est aussi chère à Krishna que Radhakun. Non? Donc, c'est une forêt très spéciale qui se trouve sur les berges de la Yamuna. Et donc, il y a un divertissement à cet endroit. À un moment donné, Krishna, il a su par des messagers que Radharani et les gopis, elles allaient se baigner à un certain endroit particulier sur le bord de la Yamuna. Et donc, comme Krishna savait qu'elle allait être à cet endroit, il est parti en avance et il s'est caché dans l'eau de la Yamuna et il s'est caché dans un cluster, comment dire, il s'est caché dans un... où il y avait un groupe de lotus bleus, non? Et donc, il est entré à l'intérieur de ces lotus et donc, les gopis sont arrivés jusqu'à cet endroit. Ils ont commencé à se baigner, à faire des blagues, à s'arroser. Et donc, Krishna, il a attendu le moment opportun où Radharani, elle a vu ses fleurs de lotus bleu, elle s'est rapprochée. Et donc, au moment où elle s'est rapprochée, Krishna, elle a commencé à rugir. Wouah! Et à lui lancer de l'eau. Et là, Radharani, elle a commencé à avoir peur. Et là, elle se demandait qu'est-ce que c'était, non? Et donc, à un moment donné, elle était prise de peur, elle a regardé, et elle a vu non loin Krishna, il flottait sur le bord, sur le dessus de l'eau, et donc elle a vu que c'était Krishna. Et donc, sa peur, elle s'est changée en colère. Et là, elle a boudé Krishna.
Et donc, Krishna, il pensait que ça allait faire naître une réciprocité avec Radharani. Finalement, ça l'a fait le contraire. Donc, elle est partie en colère, en bouderie. En anglais, on dit pouting. J'aime beaucoup le nom en anglais, pouting. Donc, elle est sortie dans une grande bouderie. Elle est partie, puis immédiatement, elle est rentrée dans la forêt de Radhavan, donc dans sa forêt très spéciale. Donc, elle est entrée. Et elle est allée au fin fond de cette forêt, au centre, et donc est allée bouder Krishna. Et donc Krishna, il a vu, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, donc il est sorti de l'eau, il s'est assis sur la berge, et donc là, il était vraiment dévasté. Il s'est dit, oh non, je pensais pouvoir, avec ce jeu, réciproquer avec elle, mais finalement, j'ai vu que ça l'a mis dans une intense bouderie. Donc il ne savait pas trop quoi faire, et donc il était dans cette lamentation, et à un moment donné, Vrinda Devi et ses servantes se sont rapprochées de cet endroit. Elle allait en direction d'un storage, non? Comment on avait dit? D'une storage room? Un entrepôt, c'est ça, merci. On est dans un entrepôt de la forêt, Vrinda Devi, parce qu'il faut comprendre que quand elle prépare les divertissements pour le couple divin, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de guirlandes de fleurs, il y a plein de meubles aussi, il y a des breuvages, il y a toutes sortes de choses. Et elle a toutes sortes d'entrepôts dans la forêt pour être prête lorsque le temps est venu pour préparer un divertissement en particulier. Donc elle s'en allait justement à cet endroit. Mais c'était l'arrangement de la Yoga Maya. Lorsqu'elle a vu Krishna, il a approché Vrinda Devi. Il a dit, oh, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. J'essayais de faire un jeu avec Radharani. Finalement, elle est partie en bouderie. Elle s'est cachée dans la forêt de Radhavan. S'il te plaît, aide-moi. Et donc, Vrinda Devi, elle a une idée. Ah, d'accord, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Donc, souvent, Krishna, il se déguise en gopi pour pouvoir sortir Radharani de sa bouderie. Parfois, c'est en nymphe céleste. Parfois, c'est en Gandharva, non, en chanteuse céleste, en Apsara aussi, parfois une petite servante de Mathura. Donc, Krishna se déguise en toutes sortes de formes féminines. Et donc, cette fois-ci, elle lui a proposé de se déguiser en gopi. Et donc, Vrinda Devi, avec ses sakis, elles ont déguisé Krishna en gopi. Et donc, Krishna, il est très joli aussi en gopi. Et à chaque fois qu'il se déguise en gopi, il prend le cœur de Radharani et les gopis. Et parfois, les gopis savent que c'est Krishna, et parfois non. Mais dans ce divertissement, lorsque Krishna il est entré dans sa vêtue de vêtements de gopi, donc Radharani, quand elle a vu cette jeune gopi, waouh, elle n'a pas su tout de suite que c'était Krishna. Et donc, elle a été profondément attirée par cette jeune gopi. Elle ne comprenait pas pourquoi, lorsqu'elle voyait cette gopi, elle avait envie de lui donner son cœur. Et donc, elle a vu cette jeune gopi qui était radiante et tellement jolie. Donc, elle lui a dit, « Ah, lorsque je te vois, j'ai envie que tu deviennes ma meilleure amie. » Et donc, elle lui a demandé de s'approcher. Et elle a pris sa main. Et lorsqu'elle a touché sa main, Radharani, elle a été prise d'une profonde extase. Et donc là, à ce moment-là, elle s'est dit, « Moi, mais c'est qui cette gopi ?» Donc, elle a regardé la gopi dans les yeux. Elle a compris que c'était Krishna. Donc finalement, ils ont pu se retrouver et à travers ce subterfuge de se déguiser en gopi, Krishna elle a réussi à sortir Radharani de sa bouderie. Non? Donc la forêt de Radhavan, il y a toutes sortes de divertissements dans cette forêt. C'est un lieu qui est très spécial. Et non loin de cette forêt aussi, il y a un endroit qui s'appelle Chamali Van. Chamali, c'est le nom des fleurs de jasmin. Parfois, on les appelle Kunda aussi, des fleurs Kunda. Non, mais dans cette forêt, elles s'appellent les fleurs Chamali, donc c'est les fleurs de jasmin. Et donc, c'est une forêt qui est remplie de fleurs de jasmin, mais la particularité de cette forêt, c'est que les fleurs de jasmin à cet endroit, elles sont écloses, elles sont fleuries jour et nuit, et ce, à l'année longue, peu importe les saisons. Et donc, Krishna, il aime beaucoup aller à cet endroit avec Radharani, parce que dans cette forêt, il y a toujours des fleurs de jasmin éclos pour que ses servantes puissent les utiliser pour les vêtir de fleurs. Non? Donc, c'est un endroit qui est spécial, parce que dans cette forêt de Chamali Van, les sakis, elles ont placé Radha et Krishna sur un trône, et elles les ont vêtus de fleurs de jasmin. Elles leur ont mis, en fait, un vêtement de fleurs de jasmin. Je vais vous lire quelque chose qui est dans le Radha Rasa Sudanidhi, que j'avais oublié de vous lire justement par rapport à la forêt de Radhavan. Je vais commencer par ça. Donc ça, c'est dans le Radha Rasa Sudanidhi, je crois que c'est le verset 34.
J'ai prié pour que mon cœur trouve son bonheur dans la forêt des divertissements de Radha, Radhavan, où les vignes portent des fleurs cueillies par les propres mains de Radha, où de nombreux endroits charmants portent les empreintes de Radha et où les oiseaux chantent avec passion les gloires de Radha. Donc c'est un verset où il glorifie en fait la forêt de Radhavan. Et donc, c'est expliqué, ça c'est où? C'est dans le... Oui, ça c'est dans le Radha Krishna Ganadesh Deepika. C'est tellement un beau livre. Rupa Goswami, il explique les décorations de fleurs. Je vais vous le lire. Les ornements de fleurs du couple divin sont 1. Des couronnes de fleurs. 2. Des fleurs dans les cheveux. 3. Des boucles d'oreilles de fleurs. Et dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que il y a toutes sortes, lorsque les sakis, elles préparent des ornements de fleurs, souvent elles mettent différentes couleurs de fleurs, et aussi pour ce qui est des boucles d'oreilles de fleurs, elles font différentes formes de boucles d'oreilles aussi. Parfois en lotus, parfois en requin, parfois en demi-lune. Lotus, requin, demi-lune, il y a une quatrième qui m'échappe. Je ne me rappelle plus. Donc, mais c'est expliqué qu'elles font différentes formes de boucles d'oreilles avec des fleurs. 4. Des fleurs décorant le front. 5. Des colliers de fleurs. Des brassards de fleurs. Des écharpes de fleurs qui se mettent à l'entour de la taille. Des bracelets de fleurs, des bracelets de fleurs qui vont sur les chevilles. Des corsages de fleurs et de nombreux autres types d'ornements de fleurs. De même que ces ornements peuvent être façonnés à partir de bijoux précieux, d'or ou d'autres matériaux, de la même manière, ils peuvent être faits de fleurs. Et donc, dans ce divertissement, ils ont été vêtus de fleurs de la tête aux pieds. Et on voit dans certains temps, parfois, pour Janmashtami ou des festivals spéciaux, ils décorent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est tellement beau, j'ai déjà vu en personne, à Vrindavan, à Mayapur. Donc, ils vêtissent les déités, ils font un sari de fleurs à Radharani et ils font un doti de fleurs à Krishna. Donc, c'est vraiment très joli. Et donc, imaginez-vous, en fait, dans cette forêt, ils ont vêtu de la tête aux pieds Radha et Krishna des fleurs de jasmin. Donc, c'est un divertissement qui se passe à Chamalivan. Et donc, il y a aussi quelque chose que je voulais vous partager par rapport à la rencontre avec Radha et Krishna, qui est très spéciale. On comprend qu'ils se rencontrent dans les forêts de Vrindavan. C'est pourquoi Krishna s'appelle Vanachari, comme on a chanté tout à l'heure dans le Jayarada Madhava. C'est tellement un beau chant. Prabhupada, il affectionnait particulièrement ce chant. Il disait en fait que le Jayarada Madhava, c'est comme une peinture de Vrindavan. Parce que dans ces quelques phrases, Bhaktivinoda Thakur, il décrit tous les habitants de Vrindavan, non? Les gopis, Mère Yashoda, les gopas, non, et la forêt de Vrindavan aussi. Et donc, dans cette chanson, il y a Vanachari. Vanachari, c'est un nom de Krishna qui veut dire qu'il se wander, qu'il se promène, non? C'est quoi le mot en français? Wander? Qu'il erre dans les forêts de Vrindavan. Et donc, c'est expliqué par Rupa Goswami, il y a trois raisons pourquoi il erre dans les forêts de Vrindavan. La première, c'est pour faire paître les vaches. La deuxième, c'est pour faire des jeux avec les gopas. Et la troisième, c'est pour se balader avec Radharani. Donc, c'est la raison pourquoi il erre dans les forêts de Vrindavan. Et donc, Krishna, naturellement, il cherche Radharani lorsqu'il se promène dans les forêts de Vraj. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont toujours trouver toutes sortes d'opportunités de se rencontrer. J'ai oublié, lorsque j'ai partagé le divertissement à Tarkanamba, un divertissement trop spécial que je ne vais pas oublier de vous partager aujourd'hui. En fait, lorsque Krishna il est à Tarkanamba, à tous les jours, non, Radharani avec ses gopis, elle passe tout près de Tarkanamba pour pouvoir avoir un darshan de Krishna. Et à un moment donné, Krishna il était en train de traire une vache. Et donc, il a vu Radharani qui s'est rapproché avec les gopis. Et lorsqu'il les a vus, il a pris le pied d'une vache et il a arrosé le visage, il a lancé du lait de la pied de vache dans les yeux de Radharani. Et donc, il a commencé à arroser toutes les gopis avec le pied de la vache. Et je vous dis, c'est vrai, j'ai déjà souvent trait des vaches quand j'étais en Inde.
Et il y a beaucoup de pression dans les puits de vache. Et j'ai déjà, essayé d'arroser des gens avec les puits de vache. Et je vous dis que il y a beaucoup de pression. Et donc j'imagine Krishna, avec toute sa force, qu'essayer d'arroser. C'est expliqué, en fait, il a arrosé complètement, en fait, les gopis et Radharani. Elles ont commencé à se cacher. Et dans ce brouhaha, donc la vache qui était placée en face de Krishna, Radharani, elle a été séparée des gopis. Et donc, elle était juste derrière la vache, tout près de Krishna. Et donc, Krishna, il a pris cette opportunité pour se rapprocher de Radharani, comme il était caché de la vache. Et donc, il a posé un doux baiser sur sa joue. Et il était caché de... Et personne, en fait, les gopas et les gopis, ils n'ont pas réussi à voir Krishna qui a posé ce baiser sur la joue de Radharani. Donc, c'est un très beau divertissement que je ne voulais pas oublier de vous partager. Donc, j'expliquais que Krishna, il essaie de trouver toutes sortes d'opportunités de voir et de rencontrer Radharani, même lorsqu'ils sont situés à Nandagram, lorsque Krishna il est en train de prendre le repas avec tous les habitants de Nandagram. Donc, il y a un très beau verset, ça c'est dans le Padyavali. Et donc, Krishna, lorsqu'il est assis avec les gopas, à un moment donné, il y a le soleil qui rentre. Et donc, ce soleil, il fait de l'ombre sur Krishna. Et donc, je vais vous lire un verset par rapport à ça. Devant leurs aînés, Krishna a positionné sa tête de façon à ce que son ombre couvre les pieds de Radha. Le voyant inapproprié que l'ombre de son bien-aimé touche ses pieds, parce que c'était l'ombre de la tête de Krishna, non? Donc, en faisant, Krishna, il a positionné sa tête pour que l'ombre de sa tête touche les pieds de Radharani. Et donc Radharani, elle se sentait pas bien que la tête de Krishna touche ses pieds. Et donc, elle a pris ses paumes. Donc, c'est expliqué, il y a différentes traductions de ce verset. Dans une traduction, c'est expliqué qu'avec ses bras, elle va faire de l'ombre pour que ça ne soit plus juste, la tête de Krishna ne touche plus ses pieds. Mais dans une autre traduction, c'est expliqué que les paumes, avec les paumes de ses mains, elle va faire de l'ombre pour qu'en fait ses mains touchent la tête de Krishna au lieu de ses pieds, comme pour bénir Krishna aussi. C'est tellement beau. Et donc, je vais continuer à lire le verset. Le voyant inapproprié que l'ombre de son bien-aimé touche ses pieds, Sri Radha répondit en déplaçant ses bras ou ses paumes, dépendamment de la traduction, en forme de vigne, de telle manière que leur ombre couvrait la sienne. De cette façon, leurs aînés, ignorant ce qui se passait, ils mirent fin à leur querelle d'amour. Parce qu'en fait, c'est par rapport aussi à ce divertissement. Donc, comme on expliquait, bien souvent, Radharani, elle exprime de la bouderie envers Krishna. Et par rapport à ça, Radharani, elle était dans une humeur boudeuse. Et donc, Krishna, il essayait de trouver un moyen de sortir Radharani de sa bouderie. Et donc, lorsqu'il était parmi tous les aînés, lorsqu'il a vu le soleil, il s'est dit « Ah, merci ». Donc, il a vu le soleil comme une opportunité de se faire pardonner. Et donc, c'est comme ça, il a rencontré Radharani à travers son nom, mais de cette manière, il lui a demandé pardon. Non? Donc, le verset se termine comme ça. De cette façon, leurs aînés, ignorant ce qui se passait, ils mirent fin à leur querelle d'amour, triomphe à la supplication de Krishna et à la pacification de Radha. Donc, à travers ça, il a pacifié Radharani et ils ont pu se retrouver parmi tous les habitants de Nandagram. Donc, comme on expliquait, Krishna, on appelle Vijay Krishna, non? Krishna, il est toujours triompheur. Il triomphe toujours dans sa bataille d'amour avec Radharani. Il réussit malgré tous les obstacles, comme aussi ce verset du Bhagavatam, malgré tous les obstacles, malgré tous les malheurs, Krishna réussit toujours à sauver ses dévots, à leur donner sa compagnie. Et c'est la même chose avec Radharani. Malgré tous les obstacles, Krishna réussit toujours à trouver sa bien-aimée Radharani. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine la classe? Radhavan ki, jai, Vijay Krishna ki, jai.